Bonjour et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Ce matin, nous allons jouer avec Nathalie et Odette pour commencer. Bonjour Nathalie, bonjour Odette, bienvenue. Elles viennent toutes les deux de Toulouse. Nathalie est agent technique au Conseil Général de Haute-Garonne. Odette, elle est professeure des écoles à la retraite et elle s'occupe de ses petits-enfants. Bonne chance à toutes les deux. Elles joueront contre Basile et Aurélien. Bonjour Basile, bonjour Aurélien. Ils viennent de Caen. Basile est assistant d'éducation dans un lycée. Aurélien, lui, est professeur de français et d'histoire géo. Bonne chance également. Vous ne rêvez pas, mesdames et messieurs. Il est là parmi nous. Merci de faire un triomphe à Thierry Beccaro. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci Tom. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout va bien, que la journée a bien démarré, elle a bien commencé, elle va continuer. Avec Odette et Nathalie, qui viennent là pour la première fois, non ? Moi, c'est la seconde. Et vous, Nathalie ? C'est la première fois. Alors, on va parler tous les deux pour commencer. D'où venez-vous, Nathalie ? De Haussonne. Donc, c'est une ville qui est proche de Blagnac. D'accord. Toulouse-Blagnac, voilà. Aéroport. Oui. Spontanément, vous voyez. L'association d'idées. Oui. Qui dit aéroport dit voyage en avion. Tout à fait. Et c'est ce que vous avez vécu il n'y a pas très longtemps. Alors, voilà, c'était mon baptême de l'air. Ah, voilà, c'était la première fois que vous preniez l'avion. Voilà. Alors, comment ça se passe dans ces cas-là ? Très stressée. Mais oui, je vous sens un peu stressée. Là, oui. Elle est en train de revivre le... Ça, oui, parce que je dois repartir après. Et ça s'est bien passé, ce... Oui, ce, très bien. Ce premier vol. Très une bien. Une petite cérémonie d'intronisation. Ah, oui. Eh bien, nous souhaitons, pardonnez-moi, je suis le capitaine et son équipage, nous souhaitons la bienvenue à Nathalie qui voyage pour la première fois. Donc, les hôtesses de chaque côté. Elles sont présentes. Une petite coupe de champagne, non, même pas ? Même pas. Non, même pas. Oh là là, là c'est misère. C'est plus que c'était. Faites un effort pour le baptême de l'air, s'il vous plaît. Bon, Odette, alors, qu'est-ce que vous nous racontez, vous, Odette ? Je raconte la même chose que Nathalie, j'habite à Haussonne. Et c'est la première fois que vous preniez l'avion aussi ? Oh non, pas du tout. Alors, c'est pas la même chose. C'est pas exactement la même chose, alors. Non. Oui, c'est moins... Mais bon, et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Odette ? Eh ben, je suis à la retraite, j'étais institutrice. Et vous vous occupez ? Et je m'occupe de mes quatre petits-enfants. De vos petits-enfants. Parlons un peu maintenant avec Aurélien et Basile. Bonjour Aurélien. Bonjour Thierry. D'où venez-vous Aurélien ? De Caen, en Normandie. Et votre métier ? Je suis professeur remplaçant en français histoire géo. Français, histoire, géo, ça fait pas mal de boulot le jour où vous avez du boulot, là, c'est... Ah oui, c'est ça. C'est... Et vous avez une préférence pour L'histoire, c'est ma formation universitaire, mais... Ouais. Et sinon, mais l'ambivalence, c'est bien. Ça va au niveau du travail, on vous appelle régulièrement c'est... Oui, bah, c'est, ça va, oui, c'est, bon. C'est fluctuant. Bon. Voilà. Donc on espère que vous avez envie de vous installer vraiment ou continuer sur ce rythme-là ? Non, j'aimerais bien faire, avoir un poste régulier. Avoir un poste régulier, oui. Voilà. Ou sinon, on va vous en proposer un, mais... Dites-moi où. Je sais pas comment ça fonctionne. Parce qu'il semblerait, il semblerait que parfois on n'ait pas forcément le poste à l'endroit où. Oui, voilà, enfin, c'est au niveau académique, quoi. Ça va. Il y a de la place, mais à Toulouse, vous voyez. Oui. Peut-être oui, que oui. Ça vous arrangerait moins. Ah bah, je veux bien prendre l'avion pour aller à Toulouse. Hein. Avec Nathalie. Et vous, Basile ? Moi, je suis assistant d'éducation dans un lycée. Et je viens de Caen aussi, comme Aurélien. Très bien. Et vous êtes camarade. Camarade, je sais le terme. Mais Vous êtes pote. Voilà, ouais. C'est super Paul. Vous checkez à chaque fois que vous avez trouvé un mot. Hein. On a peut-être, eu les candidats. Peut-être là. Pas. Petit trouver un voir, mot. On verra. Chaque fois que vous trouvez un mot, c'est comme les basketteurs américains. Vous bombez le torse. D'accord, je compte sur vous, Aurélien. On va y penser. Ouais. C'est pas vraiment le même gabarit. Hein. J'ai peur qu'Aurélien il s'envole un peu sur le check. C'est surtout que j'ai peur pour les micros. Ça doit faire un bruit pas possible. Voici les grilles pour commencer la partie. Vas-y, Aurélien. Avec un numéro qui va clignoter dans un instant. Ce sera le numéro magique. Et ce sera le numéro 57, messieurs. Nathalie, Odette. «
Alors, le 36. Voilà, vous ferez la bonne opération si vous tombez sur le 36. Le montant de la tirelire, Tom, s'il vous plaît. Il y a aujourd'hui 1000 euros à gagner en super partie, mon cher Thierry. Merci, j'aime bien quand vous vous dites quand je suis gentil comme ça. J'y crois. Vous êtes d'une naïveté. Confondante. Basile, nous allons jouer avec des mots de... 9 lettres. 9 lettres. Eh bien, c'est parti, je vous souhaite bonne chance. Merci. Voici la lettre B. Bouteille, B-O-U-T-E-I-2-L-E. Boulanger, B-O-U-L-A-N-G-E-R. Bourgeois, B-O-U-R-G-E-O-I-S. Bourgueil, B-O-U-R-G-U-E-I-L. Excellent. Aurélien, allez-y s'il vous plaît. 57. En plus, le mélange, il était parfait. Ah ouais, ouais. Ça, c'est à montrer dans toutes les écoles. Gardez bien, enregistrez bien ce moment. Il est rare. Vous mélangez, s'il vous plaît, Basile. 5. Le numéro 5. Et c'est à Basile de jouer avec la lettre T. Toile. T-O-U-A-I-2-L-E-S. Teinture. T-E-I-N-T-U-R-E-S. Tricoter. T-R-I-C-O-T-E-E-S. Totaliser. T-O-T-I-T-A... Totita. Rajoute un T. Totita. T-O-T-E. Totita, Totita. Totita, Totibé. Nathalie, la lettre bonus. J'ai retrouvé l'alphabet. Travailler. T-R-A-V-A-I-L-L-E. Tribunal. T-R-I-B-U-N-A-L. Et voilà. Et non, voilà. C'est tribunal. Ah oui, c'est avec un S, ça ne peut pas. Les tribunaux, non. Vous êtes condamné direct là. Ah oui. Odette, à tout à l'heure. Basile. Traînard. T-R-A-I-N-A-R-D-S. Ah, il y a du carton jaune. Il y a du carton jaune dans l'air. Oui, oui, il y a un petit carton. Oui. Traîneau. Traîneau, T-R-A-I-N-E-A-U-X. Ça, j'adore, il y a des ruptures parfois dans le jeu. Qui sont, on ne s'y attend pas. Aurélien va pour proposer un mot et on entend Nathalie proposer. Aurélien se retourne et dit... Mais que se passe-t-il ? Voilà. Alors, il faut se calmer, Nathalie, parce que ce baptême de l'air, ça vous a un petit peu chamboulé. Hein. Aurélien, allez-y. Il y aura un petit carton jaune quand même, Thierry, pour Aurélien. 41. Basile. J'ai déjà donné. Ah ! Et hop là, ouais. Ah bah oui, mais le numéro magique. Oui. La boule magique. Hey, moi, je veux la garder, la boule magique. Allez. Tour de magie. Le tour de magie. Basile, vous jouez, s'il vous plaît, avec la lettre S. Sodomiser. S-O-D-O-M-I-S-E-E. Socialiser. S-O-C-I-A-L-I-S-E. Sublimer. S-U-B-L-I-M-E-E-S. Stimuler. S-T-I-M-U-L-E-E-S.
Savoyard, S-A-V-O-Y-A-R-D. Ah, là, ça va pas passer. Ça va pas passer. Nathalie, s'il y a des mots qui vous viennent, hein, vous n'hésitez pas. Hein. Franchement. Si c'est, en plus, si ça peut aider Basile. Bah oui. Voilà. Si vous avez trouvé, il faut y aller. Hein. Nathalie. Stériliser. S-T-E-R-E-L-I-S-E-R. Moi, j'aurais pas confiance. Hein. Moi, je. Vous vous stérilisez. Vous voyez, c'est, non, mais c'est son premier voyage en avion, ça. Ça... elle n'est pas redescendue. Hein. Oh là là. Basile, la lettre bonus. Statufier, S-T-A-T-U-F-I-E-R. Sermonner, S-E-R-M-O-2-N-E-R. Nathalie, c'est stérilisé. Hein. Là, au moins, on est sûr qu'il n'y aura aucun problème. Voilà. Et je retourne du côté d'Aurélien qui va mélanger. Allez-y, Aurélien. 25. Basile. Vous avez 150 points pour l'instant, rien pour Nathalie et Odette, et c'est pas faute d'intervenir, c'est pas faute d'essayer. Basile, voici la lettre I. Itinérant, I-T-I-N-E-R-A-N-T. Intermittent, I-N-T-E-R... Non, trop long. Oh là, ouais, ça sera trop long, là. Allons-y. Toc, 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 boum, boum. On s'enflamme. Hommage à Jean-Paul Belmondo. C'est un petit peu ce que vous êtes dans le métier de, ah bah, c'est ça. De professeur. On vous appelle et voilà, vous intervenez.